Bonjour. Bonjour Mariam. Mariam Touzani, je suis ravi. C'est la première fois qu'on se rencontre. J'ai découvert le bleu du caftan il y a 2 jours. D'abord, je voudrais vraiment vous féliciter. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie cinématographique assez prodigieux. Halim Deliyev Khaftan, Rajli Ma'allem, Maji Makina. Le bleu du caftan est vraiment un film d'une simplicité, d'une épure magnifique. Oyedek, Rfifa. Kan khadam fi sah. Daba tchouf. Je vais simplement revenir un petit peu en arrière avant d'aborder le film et de creuser un petit peu. C'est de vous présenter. Vous êtes une actrice, scénariste, réalisatrice. Vous avez fait des courts-métrages, des documentaires. Le bleu du caftan est votre deuxième long-métrage. Le caftan, qui est un peu plus de mon enfant. Je suis 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 un peu plus de mon enfant. C'est l'histoire de Halim et de Mina, qui est un couple qui est marié depuis un petit moment, qui tient un magasin traditionnel de caftan. J'aimerais savoir comment vous avez conçu en fait les grands axes dramaturgiques de ce film qui déjoue absolument toujours ce qu'on croit comprendre. Quand on voit un couple comme celui de Halim et Mina à l'extérieur, on a l'impression justement très rapidement d'avoir tout compris. Et j'avais envie du contraire justement. J'avais envie qu'on comprenne petit à petit qui étaient ces personnes. J'avais envie de parler de personnages complexes, d'émotions complexes derrière cette façade qui peut paraître simple. Et c'est vrai qu'en écrivant, je me demande jamais où je vais. Je ne sais pas dès le début où l'histoire va me mener. Je savais dès le début que Halim était là. Je ne savais pas tout de suite que c'était un maître artisan. Je l'ai appris en l'écrivant, en le ressentant réellement. Je me laisse vraiment porter et c'est en revenant en arrière que je comprends le pourquoi de mes choix. Le personnage de Halim, on comprend qu'il est homosexuel, en même temps il aime absolument sa femme, qui est interprétée brillamment par Lubna Azabal, mais vraiment une grande, grande, grande interprétation de Lubna ici, qui au fond a cette espèce d'empathie réelle, ce regard juste sur cet homme, sans jamais aucun jugement, dans un Maroc répressif. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a suscité le désir de la fabrication du bleu du caftan. C'est une rencontre en fait qui a réveillé ce désir en moi. C'est un monsieur que j'ai rencontré qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de très très lourd qu'il portait. J'ai senti qu'il y avait en fait toute une partie de sa personne, de son être, qu'il était obligé d'étouffer. Il me ramenait à des souvenirs d'enfance, d'adolescence, de couples que j'avais vus en grandissant, qui étaient mariés pour garder une certaine façade. Là, pour le coup, c'était justement des couples où le mari était homosexuel et voilà, et que la femme le savait ou le pressentait ou pas. Mais voilà, rien ne se disait, c'était juste des choses qui étaient qui étaient là, qui étaient tues. Mais là, quand j'ai rencontré cet homme, il y a quelque chose d'un seul coup d'incarné. Il y a quelque chose dans l'écriture cinématographique entre le travail de lumière et de décor, les clairs-obscurs que vous développez, quelque chose de très, très épuré. J'aimerais savoir comment vous l'avez travaillé en amont, tout ça. Quand j'écris, j'écris en images, j'écris en couleurs, j'écris en textures. Je sais ce que je veux aller chercher dans chaque scène avant. Et c'est pour ça que je prends beaucoup, beaucoup de temps, justement, sur les décors, à pouvoir les préparer, à les travailler. Parce qu'ils racontent les personnages. Pas juste pour le côté esthétique du tout. Moi, cet appartement, par exemple, on a mis des mois à le trouver, mais je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais en termes de vis-à-vis, en termes de rue, de vie à l'extérieur, de lumière à l'intérieur, parce que c'est vrai que c'est un film où la lumière aussi raconte l'évolution de ces personnages-là, où elle raconte les relations. حاولت نتخلص من هذا الشيء حياتي كامله وانا كلها ما قدرتش ما كنعرف حتى رجل صافي في حالك انت سيد الرجال ما
Dernière question, j'aimerais savoir comment vous avez vu cette globalité, quelle est cette vision globale que vous avez eue du film et ce qu'il en reste aujourd'hui, est-ce que vous êtes proche en fait de cette première vision? Je dois vous dire que oui, que je me sens très proche de cette première vision, qu'en regardant le film, je sens que c'est-à-dire que j'ai pu raconter les personnages comme je voulais les raconter. Pour moi, il s'agissait aussi beaucoup de trouver la bonne distance parce que j'avais envie, il y a des moments où j'avais envie de me détacher, de les regarder, de les observer, de les voir vivre, de les voir évoluer, de les voir s'aimer, de les voir s'observer l'un l'autre. Il y a des fois où j'avais vraiment envie d'être avec eux dans leur corps, dans leur peau, dans leur regard. Voilà, je savais qu'il y avait un équilibre, mais je me laissais porter par mon ressenti aussi par rapport à ça. Je crois que je me suis un petit peu éloignée de votre question. Non, c'est très bien, Maria, mais j'entends tout à fait. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite tout le succès possible avec ce film, ce très beau film. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup à vous. Merci. Love is in the air cette semaine dans les salles, et particulièrement dans les baskets de Michael Jordan, dont Matt Damon relate les débuts. Mais les feux de l'amour avec un grand A donnent aussi des ailes à Adèle, à Benoît et à Alonia. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans. Et j'ai braqué une supérette. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Qu'est-ce que la justice restaurative? Réponse vibrante et éclairante grâce au vécu croisé de victimes confrontées à leurs agresseurs. Знаешь, Петр Ильич, того дня, что я хочу только одного. Мне оперу надо закончить. А эта суета страшно отвлекает. Ему женщины вообще не нужны. Никто не смеет у меня отнять тебя, потому что ты мой муж. Au travers du portrait émouvant de l'épouse du célèbre compositeur, le réalisateur dissident Kirill Serebrennikov évoque la condition des femmes dans la Russie du 19e siècle. You ask me what I do here. This is what I do. I find you players, and I feel it this time. For a rookie? Yes. Who's never set foot on an NBA court. That's the literal definition of rookie, yeah. What's the plan? We build a shoe line around just him. I need the greatest basketball shoe that's ever been made. Who's the player? Michael Jordan. Bien dans le basket, c'est tout ce que demande Ben Affleck, big boss de chez Nike, qui rêve d'imposer sa marque sur les parquets de la NBA. Tiens, et si on misait tout sur un certain Michael Jordan? Pour moi, tu te déshabilles, Vanessa? Ça y est, c'est la ménopause. Un puce dans le bus? Ils sont tous complètement débiles. Bilan annuel! On est sur les enjeux de quoi? D'égalité femmes-hommes. Pas s'énerver pour des affaires d'argent, quand même. Nettoyer, c'est ce qu'Inès fait de mieux. Oui, mais quand il s'agit d'effacer les traces du patron qui vient de passer l'arme à gauche, c'est un grand nettoyage qui s'impose. Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches dans un tapis? Papa, t'as pas appelé EDF? Non, j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, ces gros rats. Lucie! J'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite. Comment faire pour avoir l'air normal avec un père veuf et malade incarné par Benoît Poulvorde? C'est ce que la jeune Justine Lacroix va tenter de faire pour éviter le foyer d'accueil.